Au cœur de la nuit, Céline, apprentie pâtissière, se prépare à prendre son poste dans une boulangerie du centre-ville. J'attends un transport de nuit pour aller travailler. Donc, c'est vrai que c'est un transport très utile depuis qu'ils ont eu le service. À 3h30 du matin, il n'y a plus de ligne de bus en circulation, mais une navette à la demande. Est-ce que je peux avoir le titre de transport, s'il vous plaît ? Merci. Pour le prix d'un ticket, soit 1,80€ ou via un abonnement, les usagers peuvent depuis 6 mois se déplacer de minuit et demi à 5h du matin dans 8 communes de l'agglomération havraise. Je travaille à Auchan, Montgaillard. Et ça me fait un long trajet. Voilà. À cette heure-ci, vous feriez comment s'il n'y avait pas de service ? Ben, j'irai à pied. Et j'en arrive pour 40 minutes. À pied ? À pied. Et là ? Et là, j'en ai pour aller un quart d'heure. Un quart d'heure. La réservation se fait en ligne de 24 heures à 30 minutes à l'avance. Les chauffeurs, des taxis et VTC en sous-traitance s'adaptent tout au long de leur service aux itinéraires et aux nouvelles demandes. Majoritairement, tôt le matin, c'est les travailleurs. Et minuit à 2 heures, c'est les fêtards, on va dire. Et ça se passe bien ? Oui, c'est très bien, très bien. Les gens sont sympas. Avec une enveloppe de fonctionnement de 200 000 €, le service LIA de nuit est unique en France. Montivier-Gare, vers Le Havre. Et a en quelques mois trouvé son public. On est à 6335 exactement donc, de passagers. Je pense que c'est un succès puisque le week-end notamment, donc, nous avons plus de 130 personnes par nuit, donc, ce qui est quand même non négligeable. Cette innovation havraise a été récompensée par 3 prix nationaux dans le domaine du transport. D'autres collectivités pourraient à terme copier l'idée.